Nouvelle vidéo van life accompagnée de ma chère et tendre Miss White. La petite voiture là, ça y est, il y a vraiment pas mal de trucs dedans qui ont déjà été faits. Donc j'en profite pour partir pendant 3 semaines. Bon, mais 4 du coup. 4 semaines en Haute-Savoie pour la tester. Là, je suis sur la route, 7 heures de route. Donc je fais une petite pause pour passer la nuit. Et le hasard a bien fait les choses parce que ça me rappelle l'époque où j'ai fait mon tour de France en fourgon. C'est pas trop mon délire de chercher le spot de rêve. Je préfère prendre ce que la route m'offre. Et là, aujourd'hui, quand j'ai trouvé cet endroit que je vais vous montrer tout de suite, il était 19h pile. Pile de chez pile. Hein. Donc c'est pile l'heure du couvre-feu. Et voici où je suis. Voilà où je vais passer la nuit. C'est merveilleux. C'est vraiment un bonheur de trouver des endroits comme ça par hasard. Je me permets quand même de vous faire visiter rapidement une petite cabane pour ce soir, que vous connaissez, hein, que vous connaissez par cœur, je pense, maintenant. Ce soir, je vais bosser, évidemment, on change pas une équipe qui gagne. Et je vais même en profiter pour ouvrir mes fameux rideaux que j'ai pris tant de plaisir à faire. En vrai, vu l'endroit où je suis posé, j'ai la banane. On va partir en Haute-Savoie tous ensemble avec la voiture, trouver des spots fabuleux pour se garer, trouver des spots fabuleux pour faire du parapente. J'espère que ça va vous plaire. L'aventure commence ici et elle est loin d'être terminée. A tout de suite. Après 7 heures de trajet, je suis enfin arrivé à ma destination finale, enfin à mon objectif. Je suis à Annecy, ça y est, quel bonheur, mais quel bonheur. Franchement, je vais pas rester garé là, évidemment. Là, je suis sur le déco de parapente, c'est là où je vais décoller. Et surtout, ici, tout cet endroit que vous voyez, Annecy, c'est ici qu'on va passer ensemble toute cette vidéo. Et vous allez voir des choses formidables, extraordinaires. Vous êtes pas prêts. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Je vais passer ma deuxième nuit ici, mais dès demain, on commence l'aventure et vous allez voir, vous allez vous en prendre plein la gueule. De la condensation. Ça, c'est toute l'eau que mon corps a rejetée cette nuit. Parfois, j'aimerais bien être un humain lyophilisé pour éviter de rejeter de la condensation. Être tout sec. Ouais, c'est parti. C'est parti, on va faire du parapente. Je vais tester ma nouvelle voile, je vais la gonfler et voler pour la première fois avec. Ah non mais c'est quoi ça? Tu vas me refaire un autre décollage avec une musique plus appropriée, s'il te plaît. Oh putain, je suis dégoûté d'avoir fini mon vol. J'ai envie de retourner en haut. Putain, c'est trop bien, c'est génial. C'est génial. Alors, faut que je vous explique un petit truc, une petite anecdote. Il y a un festival pas loin de chez moi. Pendant 5 ans d'affilée, à chaque fois, ils annonçaient de la pluie. Et j'étais dégoûté. Et à chaque fois que j'y allais, soit il pleuvait pas, soit l'orage passait à côté du festival. Et du coup, je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai de la chance, quoi. Quand je vais à un endroit, il pleut pas.
enfin ça arrive, mais souvent quand c'est important, je sais pas, il se passe un truc et finalement il pleut pas. Et là quand je suis venu en Haute-Savoie, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit mais de toute façon en ce moment il fait que pleuvoir, ça vole pas, laisse tomber, enfin. Et d'ailleurs c'était vrai, sur la météo ils annonçaient un temps de merde. Mais je me suis dit, ah, peut-être que si j'y vais, il va faire beau. Et j'y suis allé. La première journée où il était censé faire moche, ben vous l'avez vu sur les images, hein, en vol. Et il a fait très beau. Alors, je dis pas que c'est grâce à moi. Je dis pas ça. Mais peut-être que j'ai un petit peu de soleil en moi. Si vous avez une fête de prévu et que vous voulez qu'il fasse beau, invitez-moi, le mec. Aucun rapport avec le reste de la vidéo, mais je trouve que c'est magnifique. Je pense que vous aussi, hein. Je pense que là, il y a l'unanimité. Est-ce que ça vous dit que je fasse une petite vidéo où je fais une rando, où je vais dormir dans un endroit comme ça avec mon hamac, et où le lendemain matin, je pars décoller en parapente pour atterrir devant le restaurant pour prendre un petit déj. Le combo parfait. Est-ce que ça vous tente? Non, est-ce que ça vous hamac? Parce que j'ai pas de tente. Si ça vous hamac, dites-le dans les commentaires, dites ça me hamac. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Parce que là, la majorité silencieuse, quand je l'ai invoqué la première fois, hein, j'ai l'impression que vous étiez là au début, vous étiez chaud patate. Et après, c'était plus mou purée, quoi, tu vois. Donc, si vous êtes toujours là, laissez un commentaire, hein, quel qu'il soit. Même pour dire merci pour la vidéo. Bon allez, tout de suite, on fait un petit point van life. Parce que cette vidéo, c'est ça en fait, c'est du parapente, un petit peu de van life, quelques astuces, de la bonne humeur, de la joie, des pouces bleus et des commentaires. Allez. C'est l'instant van life. Ce séjour en Haute-Savoie, c'est pour tester Miss White aussi. C'est pour savoir un petit peu les choses qui ont amélioré, les choses qui vont pas. Et premier point sur lequel je veux insister, c'est le bordel, voilà, le bazar. Dans une petite voiture comme ça, c'est très vite le bazar. C'est même pas très vite, c'est instantané quoi. Tu rentres dedans, déjà juste t'enlèves tes chaussures, tu te mets sur le lit, déjà c'est le bazar. Voilà. Bon, c'est le bazar, on est d'accord, vous validez, hein. Voilà, il y a une poubelle là, là-bas il y a mes casseroles, le lit est pas fait. Il faut savoir un truc, c'est que quand tu pars en van, dans un petit van comme ça, il faut accepter le bazar. Il faut juste l'accepter et te dire, ben, je vis dans le bordel. Et une fois tous les 3 jours, je range. Parce que sinon tu te mets à ranger toutes les 20 minutes en vrai. Tu déplaces un objet, déjà c'est le bazar. Le moindre geste que tu fais, c'est le bazar. Ou alors c'est peut-être moi qui suis bordélique, je sais pas. La phrase cliché des nomades, c'est « Ok, je te fais visiter, mais c'est le bordel !» Je suis le seul à dire cette phrase ou pas? Deuxième petit point, et pas des moindres. Le rétroviseur passager, je le vois pas. Pourquoi? Eh bien, il y a mes voiles de parapente. Dans cette voiture-là, ranger la voile de parapente, la seule méthode, c'est de le mettre sur le siège passager. Et quand tu mets ta voile parapente sur le siège passager, tu vois pas le rétro. Tu le vois un petit peu. Voilà, si tu fais ça, tu le vois. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit rétro annexe, je pense. Je sais pas trop ce que je vais mettre, un rétro de vélo, ou je sais pas s'il existe des rétros, peut-être des rétros que les gens y mettent pour les caravanes, j'en sais rien. Quand vous avez un van et que vous voulez faire un long périple, partez une semaine avec, avant, autour de chez vous, pour voir les choses que vous devez rajouter, les choses que vous devez améliorer, etc. Ça, c'est des détails auxquels tu penses pas, en vrai. Troisième point. Il faut que je rajoute un paillasson. Dans ta maison, un paillasson? Ouais, il faut que je rajoute un paillasson à l'entrée, parce que c'est scandaleux. Voilà. Je peux pas poser mes chaussures. Vous rajoutez un paillasson. Tiens, il y a Au fil du vent qui arrive là. Il est heureux, c'est pas un paillasson. Bonjour, j'ai un tapis si vous voulez. Je vous mets ça où? Voilà, Bernard Tapie, messieurs dames. C'est trop grand pour mon van, ça fait la superficie de mon van déjà. Quatrième point. Et pas des moindres. Il faut que je me trouve un système pour éviter la condensation ici. Ça, c'est beaucoup trop long comme mot, condensation. Condensation, il faut que je trouve un système, un petit chiffon pour enlever la condensation facilement le matin. T'as beau avoir toutes les aérations que tu veux, si tu veux pas avoir de condensation, il faut que tu dormes toutes les portes ouvertes, mon gars. Donc, il faut que je trouve un système pour l'effacer facilement du pare-brise avant. Parce que quand tu veux partir le matin, j'ai pas envie d'attendre 5 heures que la condensation parte. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à partager l'idée dans les commentaires. Toujours pareil, hein. Donc là, 4 points pour aujourd'hui, j'en ai encore une dizaine à vous présenter, si vous voulez les savoir, il suffit juste de cliquer sur s'abonner en bas, c'est gratuit, c'est pas cher, ça fait plaisir à tout le monde. Donc voilà, on continue la vidéo avec une petite séquence parapente, je pense. Bon alors, j'ai pas mangé ce midi, j'ai super faim, le problème c'est que ça vole. Comment faire? Manger ou voler? C'est très bon et en plus la vue est pas trop mal. J'aime bien ce resto. Je vais l'appeler ce repas, vous l'avez pas volé. Ça va être le nom du resto.
pas dégueu. C'est même bon. Ouais, c'est bon. Mais en fait, c'est possible de manger et de voler en même temps. Bon, les rillettes à 300 mètres d'altitude, c'est meilleur. Le fromage aussi. En fait, manger à 300 mètres d'altitude, c'est bon. En fait, manger pendant qu'on s'envoie en l'air, c'est bon. Bon, on va bientôt atterrir. Je vais atterrir avec le sandwich à la bouche parce que je ne l'ai pas fini. Avec sa tartine en bouche. Il est beaucoup moins bon là du coup. Il était meilleur en l'air. Ah non, je vais le finir. C'est Arthur et les Minimoys. Oui, Minimoys. Donc en fait, c'est possible de manger et de voler en même temps. C'est quoi que tu nous cuisines là, Arthur ? Saucisse compote purée, mais revisitée. J'ai pas de purée, du coup j'ai fait des rustis. C'est quoi ? C'est de la compote ? Tu trempes des saucisses dans de la compote de pommes ? C'est un plat typiquement belge. Vous êtes vraiment chelou les Belges. Hein. En fait, c'est le mélange des trois qui est harmonieux, tu vois, c'est l'équilibre. Mais on va voir ce que ça donne, la compote de pommes mélangée aux saucisses, quoi. Deux aliments qui séparément sont bons, mais qui ensemble ne se mélangent pas. La saucisse et la compote de pommes. Ça ouais, c'est classique en Belgique, c'est le truc que tu fais manger aux gosses quand t'as envie de le faire un truc facile, quoi. Tu leur refiles les restes dans le frigo, tu sais. Genre des petits filous avec des épinards. Allez, les gamins. Ah non. J'adore les épinards, mais ça, c'est pas... Bienvenue en Belgique. Bienvenue en Belgique une fois. Et Noémie, toi, t'es fan de... Ah, la compote saucisse, c'est genre la base. T'es belge aussi, non ? Voilà, c'est ça. Hein. Vous êtes bizarres, les Belges. Oh putain, c'est quoi ce bordel ? J'ai coupé. Début d'incendie, ici. Alors, Félix, qu'est-ce que t'en penses ? Ben, je vais goûter la saucisse. Non, je vais pas prendre l'accent belge, ça fait vraiment gros bof. Un Français, dès qu'il croise un Belge, il est obligé d'imiter l'accent belge. Ouais, bah ça... C'est pas mauvais, mais ça va. C'est bizarre. Mmh. Attends. C'est bon, mais... C'est particulier d'avoir pensé à ça quand même. Ah ouais, hein. Bon appétit. Bon, alors je viens de me lever, j'ai la tête du matin, voilà, j'ai des petits yeux. Mais c'est pas grave parce que c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est un petit peu un truc immersif, on va dire. Ça change de d'habitude, donc si vous avez aimé, dites-le dans les commentaires. Et si vous avez vraiment aimé, il y a le petit pouce bleu, tout à fait cliquable, très facilement. Vraiment, c'est un petit clic de souris très très vif, quoi. Et j'aimerais bien poster une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Je sais pas si ça se fera, honnêtement, parce que je suis avec un groupe de potes qui trouvent des très bons arguments pour que j'aille faire du parapente à chaque fois et j'ai pas le temps de travailler. C'est eux là, c'est eux qui trouvent des bons arguments pour pas que je travaille. Et que j'aille voler à chaque fois. Elle vient déjeuner avec nous d'ailleurs. Et lui, c'est Au fil du vent. Sa chaîne YouTube s'affiche juste en bas. Allez, merci. Plus il aura d'abonnés, plus j'aurai d'amour pour vous. J'ai un mental de chips. Abonnez-vous surtout parce que c'est le petit ticket d'entrée pour la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, portez-vous bien. Profitez de la vie. Détendez-vous et allez faire des randos dans des endroits comme ça. Il y a les oiseaux, c'est cool en vrai. Allez, à très bientôt. Et je vous fais des petits poutous pour changer un peu. Cette fois, ce sera des poutous. Allez, ciao.